Cette semaine sur l'antenne de France 2, la journaliste star Élise Lucet propose un autre numéro de Cash Investigation enquête sur les pratiques de Total en Afrique, et en fait, qui partage sa vie. La journaliste star de France 2 et ses équipes de Cash Investigation ont mené l'enquête sur le méga-projet de la compagnie pétrolière française en Ouganda et en Tanzanie. 140 puits dans l'un des plus beaux parcs naturels d'Afrique et un oléoduc de plus de 1400 km chauffé à 50 degrés. Une infrastructure qui va bouleverser la vie de plus de 100 000 personnes, a annoncé la chaîne. Un sujet passionnant. Et la vie privée d'Élise Lucet est aussi passionnante, comme l'avait rapporté le magazine Closer, qui l'affirmait engagée dans une belle histoire avec un dénommé Xavier, un sculpteur de verre, repéré à ses côtés à l'aéroport. On ignore si cette relation passionnante est toujours d'actualité. Suite à la révélation de cette relation, la journaliste avait porté plainte pour atteinte à sa vie privée. Et elle a remporté le procès. En tout cas, cette idylle lui avait permis de surmonter la disparition brutale de son mari, Martin Bourgeois, un antiquaire, qui a perdu la vie des suites d'une leucémie foudroyante, alors que leur fille Rose n'était âgée que de 4 ans.